Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous êtes utile. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show. On va rentrer tout doucement dans l'actualité olympienne. Évidemment, vous en avez l'habitude comme tous les lundis et tous les jeudis. Tout de suite, le sommaire en image de cette émission. Valère Germain qui a répondu à une rumeur qu'il enverrait à l'Olympique de Marseille. On va voir si c'est l'attaquant parfait pour l'OM. Un petit mot de la Coupe de France et du tirage au sort. Que faut-il changer dans le 11 de départ de l'OM pour préparer Toulouse et la fin de saison? Et puis, un petit mot sur le petit coup de com', le petit déplacement de Jacques Henriero et Andoni Zubizarreta du côté de Barcelone. On en dira quelques mots dans cette émission avec Bernard Bosquet. Bonjour. The Legend. Oui. On m'a dit que tu devais travailler un peu l'anglais là pour les stages, donc ah ouais. C'est fini ça. Travaille le chinois. L'anglais je l'ai en moi, donc c'est fini. Ça va, petit Bernard? Quoi? Les stages se préparent bien? Ouais, très bien. On en parlera peut-être un petit peu en fin d'émission. Tu nous raconteras un peu cette travaille histoire. Travaille son chinois. Eh oui. Pourquoi pas nous ramener un petit Jackson Martinez? C'est toi qui vas aller. Non. Romain Canucci est avec toi. Salut Romain. Salut. Ça va? Oui, très bien. On prépare Toulouse, évidemment, ce déplacement à 15h dimanche avec Babou. Fabrice Seleski, consultant tactique technique, je dirais l'autre. Ça va? Salut les gars, ouais. Ça faisait longtemps moi que je n'étais pas là, donc ça me fait plaisir. Plaisir partagé, Babou. Et puis à côté de toi, notre invité, Arnaud Chabert. Tu es préparateur physique à Consola. Donc, bonsoir. On va faire une partie sur le physique des Olympiens ce soir. On t'a appelé, évidemment, puisque tu es un peu un spécialiste, forcément, de la question. Tu nous donneras ton avis sur le physique des Olympiens. Est-ce que c'est là, finalement, que l'OM pêche? On se posera la question. On commence tout de suite avec cette affaire Valère Germain. Voilà, Valère Germain qui répond tranquillement à une question sur RMC sur l'OM. Et puis, je vous propose tout simplement de la réécouter. Et puis, on en débattra juste après. Valère Germain sur RMC. Je suis marseillais, donc voilà, ça reste un club que j'ai apprécié dans mon enfance. On verra, je sais pas. Il me reste encore un an de contrat avec Monaco. Je sais qu'il y a certaines discussions actuellement. Bah, pour tout projet intéressant, pourquoi pas, oui, si Monaco décide de pas me prolonger ou décide voilà de me mettre troisième ou quatrième attaquant, qu'ils veulent pas que je veulent plus que je sois titulaire à Monaco, je partirai, c'est sûr. Après, tout projet intéressant sera bienvenu, et je pense que Marseille, s'ils le font intelligemment, peut être un projet intéressant. Valère Germain, est-ce qu'il te plaît, Bernard Bosquet? Est-ce que déjà c'est un vrai avant-centre? On sait que tu classifies oui. les avant-centres selon les vrais et les faux. Normalement, je classifie comme on doit normalement se positionner. Donc on c'est un vrai avant-centre. On est milieu, on est libéraux, on est arrière-droit, voilà. C'est un vrai avant-centre, Valère Germain, pour toi. Avant-centre, puis c'est un garçon qui est doué. Et encore une fois, c'est pas un athlète de haut niveau, au niveau physique. On ne peut pas dire qu'il dépasse les défenseurs dans la tête et pour des épaules. Pour toi, il a sa place dans l'avenir de l'OM, l'OM Champions oui, League, si sûr, l'OM se penchait éventuellement sur lui cette année, puisqu'il y a un an de contrat. Reste à savoir aussi s'ils vont garder Gomis, donc savoir quelle position il va pouvoir s'incruster, soit en deuxième attaquant, soit, je ne sais pas. Oui, c'est un bon joueur. C'était un joueur, en plus de ça, très intelligent. Et il avait un père qui était d'ailleurs très très bon, c'est Bruno Germain. Tu veux l'écouter, Bruno Germain? C'était sur le fossé hein, il y a quelques semaines, quelques jours. Bruno Germain qui nous disait que ça serait bien, pourquoi pas, que son fils joue à l'OM. Il est né à Marseille, il a fait ses premiers pas de footballeur à Cassy. Il a joué comme tout gamin dans plein de petites lotes autour de Marseille. Il était un tout petit supporter de l'OM. Il avait des maillots de l'OM, des posters, vous imaginez bien, dans sa chambre. Et comme il sait aussi l'attachement que j'ai, moi, pour ce club. Hein. Monaco, c'est sa maison, c'est son club. Il adore aussi l'OM. Donc, je ne peux pas vous dire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, où il sera. On va voir comment ça va se passer. Babou, tout à l'heure, Bernard disait comment on va se positionner avec lui, avec Gomis, s'il reste, pourquoi pas notre attaquant. Clairement, est-ce que Valère Germain, il peut jouer seul en pointe dans le système de Rudy Garcia actuel? Ouais, il peut jouer seul en pointe sans problème, et pour moi c'est exactement le genre de joueur qu'il faut avoir dans un club, dans un groupe. C'est le genre de joueur qui part jamais titulaire en début de saison. C'est pas le nom que tu couches en premier, mais finalement
au bout du compte, je pense que c'est toujours celui qui fait peut-être le plus de matchs parce qu'il peut jouer à deux devant, il peut jouer tout seul aussi. Il a aussi cette faculté, tu disais vrai avant-centre, oui, il a ce que peu d'avant-centres peuvent avoir, c'est qu'il a le sens des déplacements et pas uniquement pour lui, pour se faire briller lui, mais il est aussi assez intelligent pour se placer toujours en fonction de son autre attaquant pour faire briller aussi l'autre. Donc moi, ce genre de joueur, je dis sans problème. Arnaud, ton avis sur le cas Valère Germain, est-ce que ça serait déjà un bon coup pour l'OM Champions Project ou tu penses qu'il faut viser pourquoi pas plus haut encore, même si c'est déjà pas mal? Je pense que c'est un faux débat qui est lancé justement par sa... Il est sous-coté ce joueur. Sa non-popularité fait qu'il rentre pas dans les clous aujourd'hui parce qu'il est pas tatoué, parce qu'il a pas de crête, etc. Et que physiquement, il a un profil un peu atypique. Mais je pense qu'il ferait partie intégrante d'un nouveau projet et c'est un super attaquant. Et il fait jouer les autres, il joue pour les autres et c'est ça qui est super intéressant dans un groupe. Romain, on a proposé tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur le fossé 1, combien ça vaut concernant André Silva. Il était bien, hein. Tu l'as regardé, il était bien. Romain, combien ça vaut Valère Germain? Alors là, c'est très intéressant son intervention sur RMC, puisqu'il parle d'abord de sa situation avec Monaco. Oui, il c'est dit sa priorité. Si Monaco, mais c'est très intéressant parce qu'il dit, si Monaco me voit troisième attaquant, voilà, c'est clair que je partirai. Et il n'a plus qu'un an de contrat. Donc, Valère Germain, c'est potentiellement... On a acheté Morgan Sanson, à qui est resté un an de contrat, 12 millions d'euros. Alors, évidemment, il est attaquant. Il a un peu plus de saison en Ligue 1, quoique pas sûr que Morgan Sanson. Donc, du coup, mais c'est sensiblement sur cette fourchette-là. Tu vas payer un peu plus que 12, mais tu vas pas aller, ça va peut-être pas aller jusqu'à 20. Ça peut aller à 15, 18. Alors, c'est très cher pour un joueur qui a plus qu'un an de contrat, mais on parle de Valère Germain. Il va avoir une grosse concurrence. L'OM a une carte à jouer parce que c'est quelqu'un... qui, s'il quitte Monaco, il a envie du challenge olympien, son père le dit, il connaît l'OM depuis petit. Moi, Valère Germain, c'est comme Dimitri Payet. C'est-à-dire que Dimitri Payet, à la base, au mercato d'hiver, tu n'avais pas spécialement besoin d'un milieu offensif gauche. Mais tu avais l'opportunité de prendre Payet. Alors, tu as foncé et tu as pris Payet et c'est une super acquisition. Eh bien, Benjamin, c'est pareil. Tu n'as pas besoin forcément d'un attaquant qui peut jouer deuxième attaquant. Mais quand tu peux avoir un joueur de la classe de Germain, tu fonces, tu poses des questions par rapport à Gomis, tout ça, tu te les poses après. Mais justement, je vais quand même poser une question par rapport à Gomis. Babou, si demain je te dis, on est le 1er septembre, l'OM a gardé Gomis et a recruté Valère Germain, mercato réussi en attaque ou pas? Oh, moi ça me plaît bien, je pense que si tu as... Ça manque pas un petit peu fallait... de clinquant? Clinquant, je sais pas, après ça dépend de ce que chacun recherche. Moi c'est pas forcément ce que je recherche, moi je veux surtout qu'on prenne des défenseurs. Et si tu me dis que devant tu mets Gomis et Germain, moi je serais assez d'accord. Content. Vous êtes tous d'accord avec Babou sur ce qu'il nous dit? Oui, oui, tu dis le clinquant. Je pose oui, la question. Non mais Romain, on est tous comme toi, on a tous envie d'un attaquant, mais ça a une part de risque énorme. On a fait les listes des 10 attaquants là, on ouais, en a vu, même un Mario Mandzukic, t'en as vu des mecs qui viennent de grands clubs et puis qui viennent chez toi, t'as à pas Monaco, de garantie. Il y en a eu des comme ça. Germain, t'as quand même beaucoup plus de garantie que ça va briller. Lui, justement, Germain, c'est un mec, on lui a toujours mis dans les pattes des clinquants. On lui a toujours mis un Dimitar Berbatov à 35 ans, on lui a toujours mis des mecs comme ça dans les pattes et il s'en est toujours sorti. Moi, ça a marché à Nice, ça a très bien marché. Valère Germain, ouais. Très donc, bien. Bon, vous êtes tous oui. Et puis, t'as le club qui a besoin de revivre un petit peu. T'as Gomis qui est varois. T'as Germain qui est du sud. Et il y a une complémentarité. T'en as un qui tourne autour de l'attaquant et l'autre qui a un peu plus de fixation. Donc, je pense que ça serait pas un mercato raté. Bon, on va conclure avec cette question de Dynamo Fou sur le forum. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment poser vos questions. Hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et également sur le forum du Fossin, comme l'a fait Dynamo Fou. Petit tour de table, juste vous me donnez votre préférence, comme il vous le demande, entre Valère Germain et justement André Silva, qui fait l'objet de beaucoup de rumeurs ces derniers jours. Babou, qui tu prendrais si tu avais le choix là? Si j'ai le choix, c'est sûr que le nom André Silva, et pas que le nom, le potentiel et le futur, futur investissement que tu peux faire, ça peut être intéressant pour le club. Mais après, encore une fois, comme disait Romain, après, c'est ce qui fait un petit peu peur, c'est l'adaptation. Donc Valère Germain, ça fait 2 ans qu'il est au top. Tu prends les deux, toi? Non, je prends Valère Germain des défenseurs, moi. Ok. Et toi, Arnaud? Sécurité, Valère Germain. Romain? Exactement ce que dit Babou. On aurait 10 titulaires et juste un poste à recruter au poste d'avant-centre. Je te dirais, allez, on tente André Silva. Mais là, on a une équipe à refaire. Donc, si au poste d'avant-centre, on peut avoir une valeur sûre qui est Valère Germain, prenons-la et gardons un peu d'argent parce que c'est bien sûr mais pas vous le gardez même prix tous Gomis ou pour pas mettre sur les défenseurs. Vous gardez Gomis, du coup, tous bah, là, c'est, sinon, tu prends les deux. Ah, sinon, bref, voilà. Pas forcément. Moi, c'est d'abord prends Germain et après je poserai la question du deuxième attaquant. Si Gomis veut rentrer dans les clous, oui. Même chose.
Oui, prendre Germain et après Silva, je pense que ce n'est pas un mauvais choix. D'accord, oui. Moi, je me permets une dernière chose, c'est qu'on a tellement parlé de nombreux attaquants, mais à chaque fois on spécule, parce que est-ce que ces attaquants-là veulent vraiment venir à Marseille? Là, moi, dans son discours, j'ai entendu quand même deux choses, c'est deux conditions. C'est, je prolonge, déjà, il faut que Monaco veuille me prolonger, c'est pas dit, il me reste un an de contrat, donc abordable pour nous, et je veux jouer. C'est-à-dire qu'il a fait une saison pleine à Nice, il vient de faire une saison pleine à Monaco, c'est pas pour se retrouver troisième ou quatrième attaquant. Donc ça peut être pour nous, pour l'OM, en tout cas, vraiment une piste très 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 envisageable. Je me permets une dernière relance, messieurs, puisque vous êtes tous globalement pro Valère Germain, et comme la plupart des supporters d'ailleurs, puisqu'on a lancé un sondage, je crois que c'était 78% de favorables. Enfin, c'est très important pour un joueur. D'ailleurs, même Mario Mandzukic, je crois, n'a pas autant d'avis favorables. Comment vous expliquez que, par exemple, Olivier Giroud fasse 22% d'avis favorables et Valère Germain, qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins expérimenté, fasse lui 78%? Alors, j'ai une explication. Je pose juste la question. Oui, non, mais tu as raison. J'ai une explication toute trouvée. C'est dans l'histoire même de l'OM. C'est-à-dire qu'à l'OM, tu n'aimes rien de plus que prendre un attaquant dont tu sais qu'il est bon et qui va exploser chez toi. Valère Germain, il y a ce sentiment qu'il n'a pas encore totalement explosé. Et c'est là, et c'est ce qui intéresse nous, supporters, c'est de revivre ce qu'on a vécu, par exemple, avec Drogba, qui avait fait une saison de feu avec Guingamp, et puis tu l'as eu chez toi et il a explosé. Germain, t'as cette sensation qu'il peut exploser. Comme André Silva, qui est très, très haut aussi dans les sondages, tu te dis, il va exploser. Alors que Giroud... Ben, Giroud, il a déjà un peu explosé. Il est déjà à Arsenal, il a déjà 31 ans. Les gens se disent, il va pas franchir un palier à l'Olympique de Marseille. Bon, enfin, mais je me posais la question. C'est parce une super. Après, c'est une question d'image aussi. Giroud, on le sait, tu parlais tout à l'heure de sous-côté pour Germain. Parce que Giroud, c'est sous-côté, mais sous un plan médiatique. Pas de sa faute si Benzema est écarté, mais tout le monde lui fait payer ce poids-là. Et Giroud, il a l'image du. T'aimes bien Giroud, Bernard, comme type d'avant-centre? Oui, j'aime bien, mais on peut pas rentrer dans ces considérations par rapport à comme Benzema, comme Giroud. On est là pour prendre des gens qui apportent quelque chose. Ouais. Je pense que Germain a tout pour apporter quelque chose. Tu préfères Germain ou Giroud, toi, pour l'OM? Non, moi, je prends pas Giroud, de toute manière, c'est clair. Mais je prends un jeune garçon qui a dans la volonté, qui est un vrai buteur, qui a le sens du but, qui a une vision de jeu extraordinaire, qui ne rechigne jamais. Donc, je pense que je fais un choix. Vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, la team chemise? Allez-y. Moi, je pense que c'est toujours pareil. Il faut voir aussi, quand on recrute, les complémentarités qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, c'est pas de dire je prends Giroud ou Germain, qui sont deux profils opposés. Vrai. C'est de dire qui je prends avec qui. Et je pense que là, c'est un peu comme en équipe de France, on a essayé de faire Griezmann, Gamero, etc. Mais c'est des complémentarités. Et on a vu qu'en l'absence de Giroud, il nous manquait un point fixe, il nous manquait un point d'appui. Donc prendre les deux, pourquoi pas aussi? Puisque ça serait un petit peu avoir Gomis et Germain dans la même complémentarité. Pardon. Je comprends. Très bon éclairage. Messieurs, sur le cas Germain, on verra si l'avenir en fera un Olympien ou non. On va se poser maintenant la question de la Coupe de France. Faut-il avoir peur pour la fameuse 6e place dont on parle depuis plusieurs semaines ou pas? C'est le thème de la deuxième partie de ce talk show. Et oui, une partie Coupe de France alors que l'Olympique de Marseille n'y est pas, mais vous allez le comprendre tout de suite en voyant le classement. La Coupe de France aura peut-être un impact sur l'avenir de l'OM à court et même à moyen terme, Babou, puisque si l'OM à ce jour termine 5e, c'est bon, c'est la Coupe d'Europe, mais si l'OM terminait par exemple 6e derrière un Bordeaux qui semble l'équipe la plus dangereuse, je m'avance peut-être, tu me diras si je me trompe. Oui, je pense aussi. Si l'OM finissait 6e, on ne sait pas encore si la 6e place est européenne. C'est ce qu'on voit sur ce tableau. Et puis il y a eu ces matchs de Coupe de France avec les qualifications de Paris, de Monaco, mais aussi d'Angers et Guingamp. Et vous allez le voir au tirage au sort. Le tirage a donc offert une finale où il y aurait juste soit Paris, soit Monaco, et une des équipes qui n'est pas dans les positions actuellement européennes, ce qui ne libérerait pas la 6e place. Est-ce que vous avez peur du coup de... Tiens Babou, puisque c'est à toi que je m'adressais, est-ce que tu as peur du coup que cette 6e place ne soit pas européenne, ou tu te dis Paris-Monaco sur une finale, ça va le faire quand même? Moi, je pense qu'il y a peu de chances quand même que ça échappe à une de ces deux équipes. J'y crois pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on pourrait se retrouver dans une situation un peu de ce qu'on faisait là. Tu préfères, pour les Parisiens, ce serait ça, quoi. Est-ce qu'on gagne la Coupe de France et qu'on donne la 6e place à l'OM européenne, ou si jamais ils étaient en finale?
Ou est-ce que, on préfère ne pas les envoyer en Coupe d'Europe? Et évidemment que Paris cherchera à gagner la Coupe de France, mais moi je veux pas me retrouver dans cette situation. Vous vous rendez compte, l'humiliation? C'est-à-dire qu'on va finir le championnat, la place européenne. On va être sur la pelouse du Stade Vélodrome, enfin sur la pelouse, on sera en tribune, les joueurs sur la pelouse, ça sera la fin du championnat. Et on saura pas, et on va attendre une semaine avant de lever les bras au ciel. On va attendre une semaine comme ça en disant bon, on va attendre que Paris gagne contre Angers ou Guingamp. Donc on espère bien sûr à ce moment-là que Monaco passe. Parce que ça sera plus facile de se dire on veut que Monaco gagne la Coupe de France. Mais si Paris, puisqu'en plus Paris du coup dépassera l'OM en termes de trophées en Coupe de France, de titres en Coupe de France s'il remporte celle-ci. Donc ça va commencer à devenir une humiliation, c'est-à-dire on va souhaiter que Paris gagne plus de Coupe de France que nous pour être en Europa League et tout ça. Et on va voir une semaine, c'est ça qui est terrible, parce que la fin du championnat c'est un week-end. Et c'est le week-end suivant où il y a la finale de la Coupe de France. Est-ce qu'on en viendra à faire des talk shows spéciales finale Coupe de France? Non, je ne pense pas. Mais... Non, mais voilà, mais c'est dire l'humiliation, c'est dire si c'est important de finir cinquième. Et puis l'événement, moi, ce qui m'a vraiment chagriné là-dessus, plus que le tirage, c'est que Bordeaux se fasse sortir, en fait. Parce que si Bordeaux... C'était notre joker ultime. C'était le petit joker. Si Bordeaux arrive en finale, bon, ben... Voilà, ils prennent la cinquième place et sixième, bon, ça décale tout. Alors que là, Bordeaux s'est fait sortir. Arnaud, dans la préparation aussi, la cinquième, sixième place, puisque tu es préparateur physique, je te demande, qu'est-ce que ça change puisqu'il y a ces rencontres de juillet? Est-ce que c'est un vrai problème? C'est août. C'est-à-dire? C'est les rencontres mi-août, il n'y a plus qu'un tour préliminaire. Ah bon? Ouais. Ah bah tu m'apprends un truc. Alors il y a un tour préliminaire, pour le cinquième, le sixième c'est pareil, c'est-à-dire il y a un tour préliminaire dans la phase de groupe, et le tour préliminaire s'effectue comme le tour préliminaire de Ligue des Champions, c'est-à-dire match aller mi-août, match retour aux alentours du 20-25, histoire d'avoir le tirage dans la foulée. Et ça change quelque chose du coup quand même, cette double confrontation? Déjà, je pense que tu as moins de vacances, donc du coup moins de régénération entre guillemets. Et puis derrière, le problème qu'il y a, c'est que donc, tu dois reprendre un peu avant et tu dois être compétitif plus rapidement. Parce que c'est déjà des matchs aller-retour, c'est ça? C'est aller-retour, mais c'est vrai que c'est couperé. Voilà, donc du coup, c'est déjà décisif. L'avantage qu'il y a sur même une première journée de championnat ou une deuxième, bon, tu peux te lancer progressivement. Et là, il faut décaler ta préparation et être vraiment dans l'intensité rapidement. Donc c'est un peu plus complexe. Tu penses que ça va le faire pour la 5 ou la 6e place pour l'OM cette saison, ou tu es inquiet comme beaucoup de gens commencent à l'être au vu des performances de l'OM actuelle? Inquiet non, parce que je pense que on essaye de trouver une dynamique. Alors elle a été bonne suite à la nouvelle arrivée de Rudy Garcia. Elle stagne un petit peu parce qu'il y a eu un mercato hivernal qui a chamboulé un peu les choses. Inquiet non, parce qu'il y a de bons joueurs. Le mot inquiet me fait forcément me tourner vers Bernard Bosquet, bien sûr. Est-ce qu'il est inquiet, Bernard Bosquet? Non, moi je pense qu'ils finiront cinquième, mais enfin, c'est tout des calculs. Lorsqu'on joue, on pense qu'il y a une chose du match que l'on fait, et puis les autres, on arrête de se mettre ça dans la tête. Je veux dire, on est là pour gagner des matchs, on est là pour faire des résultats à l'extérieur, et puis après, ça vient tout seul. Si on commence à gamberger, et celui-là s'y perd, si l'autre s'y... Ils vont faire une dépression là s'ils restent toute la semaine en attendant le résultat. Je pense pas. Vas-y, ce serait vécu comme un échec quand même. Même si tu te qualifies en passant par la sixième place, ce serait vraiment vécu, je pense. Si tu dois attendre un sacré semaine, échec. Bon, c'est clair. Très bien. Nico, pour conclure cette partie, puisqu'on l'a à chaque fois, à chaque talk, cette partie, ce point classement. Mais là, on l'a fait par rapport à la Coupe de France et au tirage. Nico qui nous dit pourquoi pas gagner les 4 prochains matchs, comme ça, on est un peu tranquille avant d'aller à Bordeaux. C'est pas bête, dans les 4 prochains matchs, t'as Saint-Etienne, du coup. Donc, à domicile. Voilà, si tu bats Saint-Etienne, c'est surtout ça, en fait, je pense, là qu'il faut regarder. C'est ces confrontations directes. Regarder Toulouse, non? On va à Toulouse. Je pose une question. Il faudrait quand même regarder Toulouse. Bien évidemment. Pas prendre les joueurs d'autres équipes inférieures pour des jambons. Donc, bien sûr. Tu es obligé de gagner à Toulouse. C'est ce qu'on a fait, contre Saint-Etienne. Dijon. Saint-Etienne, ça sera 3 points. Toulouse, c'est 3 points aussi, mais important. Et Saint-Etienne, c'est si tu prends 3 points, c'est le fameux 6 points, parce que Saint-Etienne, qui a la course avec toi, ne les prend pas. Oui, tu les élimines quasiment. Mais c'est très important. Babou, est-ce qu'on prend les 12 points sur les 4 prochains matchs? Ou c'est un peu ambitieux avec 3 déplacements, notamment à Nancy et à Caen, où on sait que c'est toujours un peu compliqué de prendre deux fois deux victoires? Bien sûr, ce sera compliqué, mais c'est un petit peu dans ce que disait Bernard. C'est le match de Toulouse qui va déterminer la suite. Si déjà tu commences par faire une contre-performance,
et encore une fois contre-performance. Aller faire un nul à l'extérieur en soi, c'est pas une contre-performance, ouais, mais ça le serait pour nous. Bah, ça fait suite à deux matchs nuls. Ouais. Voilà, exactement. Et en plus, ça précède Saint-Etienne, donc il faut aborder ce test, on va dire, en position de force. Donc, d'autant oui, que les déplacements à Toulouse ces derniers temps n'ont pas forcément été toujours faciles, hein, pour, que ce soit pour Bielsa. Pour Bielsa, ça avait été facile. Que ce soit pour Mitchell ou pour, même pour cette saison Rudy Garcia, puisqu'en coupe, on est passé en prolongation. Je vous le rappelle, c'était début janvier. On enchaîne, messieurs, avec le problème physique. On va se poser la question, est-ce que c'est là que le bas blesse ? Partie 3. L'OM est-il à la cave physiquement ? On va se poser la question avec notre spécialiste, préparateur physique de Consolar, Arnaud Chabert, avec Bernard Bosky, ancien joueur professionnel qui a connu la longueur des saisons. Avec aussi Babou, qui lui connaît la longueur des saisons un peu plus, un peu moins professionnelle, mais quand même qui, il a roulé sa bosse. Hein, alors Babou, c'est bête, et Romain Canutti qui connaît la difficulté des matchs du samedi. C'est ça. Je joue avec Arnaud, attention. Mais c'est bête, on n'a pas sorti une stat. On parlait de parce que tu as fait ton retour avec Eric Schell à Consola. Et j'ai l'impression qu'en gain, en classement, de place au classement, tu n'as pas dû le faire. Tu vas dire que tu ne l'as pas fait, mais je crois que... On est à quoi ? On est à 12 matchs, 8 victoires depuis ton retour ? Ouais, 8 victoires, 2 nuls et 3 défaites, voilà. Peut-être, ou 7 victoires. Ça fait 13 matchs, ouais, voilà. Je rappelle que tu suis Consola aussi pour le Fosséen, d'ailleurs. Avec René Malville. Avec René Malville, évidemment, qu'on embrasse, René, qui... Donc c'est peut-être que t'es plus qu'un porte-bonheur, on est là aussi pour se valoriser. T'es revenu, il y a 8 victoires en 13 matchs. Non, il y a un gros travail d'équipe qui a été fait, et puis il y a un coach qui a amené certaines valeurs. C'est un coach aussi novice dans le métier, puisque il jouait récemment encore. Oui. Il était adjoint de Nicolas Uzaï l'année dernière. Être coach numéro 1, c'est des responsabilités. Il a su les prendre au fur et à mesure, et puis il manage bien son staff. Donc c'est un travail de groupe. Je vais peut-être dire un gros mot, mais est-ce que vous rêvez encore dans un coin de votre tête d'une éventuelle montée ? C'est loin, mais c'est difficile, mais bon. Alors, c'est toujours pareil, c'est la langue de bois, c'est-à-dire qu'on pense au maintien, et c'est cette barrière des 42 points. Donc en gagnant contre Pau, ça nous permettrait donc de se sauver quasiment. Après, derrière, bien entendu, si tu gagnes contre Pau, pour moi, c'est un tournant. Derrière, on peut peut-être espérer quelque chose, qui sait. On rappelle que la saison dernière, c'était passé vraiment c'était pas loin. L'inverse. C'était l'inverse. Ouais. Amiens était dans notre position l'année dernière, on a regardé, ils avaient 7 points de retard sur le podium. Et ils ont fini en Ligue 2. Tout est possible dans ce championnat national. De toute façon, on en reparlera de Consola, Romain. Hein, et puis ça donne des regrets quand on voit aussi le parcours cette année d'Amiens en Ligue 2, parce qu'ils sont surprenants. Ils peuvent limite viser la Ligue 1. Ouais. Amiens et Strasbourg. Alors, est-ce que les Olympiens sont à la cave physiquement ? Bernard, sur les derniers matchs de l'OM que tu as vus, est-ce que tu les trouves qu'ils rament physiquement, ou tu penses que c'est pas là qu'est le problème ? Moi, je pense que c'est plutôt dans la tête qu'il y aura un problème. Parce que physiquement, de partout, dans tous les clubs, on travaille bien. Après, c'est l'intelligence du jeu, je suis désolé. Après, c'est la tactique, si on veut taper sur l'entraîneur. Mais après, sur le terrain, c'est les garçons qui... Il est où le problème, alors ? Problème de, moi, le problème, je me bats depuis des années pour ça, c'est au niveau technique, c'est la première chose. C'est la première chose. Quand on voit jouer cette équipe, le nombre de ballons perdus, à partir de là, tu peux rien faire. Défensivement, à la relance notamment ? Tu penses à la relance ? À la relance, surtout. Surtout. D'accord. Lorsque tu vois jouer des équipes comme Nice, ou même, je ne parle pas des équipes étrangères, je ne veux pas rentrer dans Barcelone et comparer, mais quand je vois jouer Paris, quand je vois les garçons, ce qu'ils font avec le ballon dans les pieds, effectivement, oui, c'est ce qui nous manque. Le niveau de relance, on relance à la main, on relance dans les pieds. Seulement, il faut avoir des opportunités pour pouvoir donner le ballon à des gens qui se démarquent. Tu me tends une perche, je voulais poser la question à Babou la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce qu'on relance toujours court là, ça repart, c'est Pelé, Rolando, Pelé, ça, Saka, c'est... Pelé, Rolando, ça doit jamais être Pelé, Rolando, je suis désolé. Mm-hmm. Quand tu as le ballon, tu es libéro ou tu es deuxième stoppeur, tu prends le ballon, tu montes, mm-hmm. et autour de toi, il y a 2-3 gars qui viennent vers toi. Quand le petit Lopez a le ballon, il y a 2-3, et lui-même, lorsqu'il donne le ballon, il va vite derrière pour être là, dire si tu as besoin, tu me la remets. Le problème, ça, on le voit pas. Alors c'est pourquoi on assiste à une Michelite sur par exemple le match de Dijon où le ballon a circulé je ne sais pas combien de fois entre la charnière, le gardien, les latéraux. Ah ouais. Tu l'as constaté aussi. Oui, mais la première raison c'est que c'est une volonté du coach. C'est tu fais pas ça juste parce que tu t'es trouvé un style de jeu d'un coup, tu t'es découvert ça. Tu es d'accord ça. Avec cette volonté du coach, toi ? Je pense qu'il essaye de mettre en place des choses. Il faut penser au long terme. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, avec les joueurs que tu as, et je suis d'accord avec Bernard sur la relance, je pense que c'est dans la première partie du terrain où on a des soucis. Après, dans la deuxième partie, on a des joueurs pour créer des choses. Mais dans cette première partie,
on peine un petit peu et les équipes adverses ont commencé à le comprendre parce qu'ils commencent à nous presser assez haut maintenant et on commence à avoir des difficultés. On voit que Lopez et Vainqueur sont rapidement pris et harcelés par les milieux défensifs et ça nous pose beaucoup de problèmes pour ressortir. Une fois qu'on a passé ce rideau, on a beaucoup plus de facilité. Et avec, je reste avec toi Babou, mais avec un Gomis devant, il n'y a pas moyen de sauter des lignes parfois de privilégier ça un peu se le pourrait, jeu. Ça, on pourrait faire, alors il est surtout là quand même pour être à la réception des centres de nos latéraux qui sont assez offensifs, mais ça peut aussi être un style de jeu, mais ce n'est pas celui que Garcia souhaite imposer, je pense. Alors le physique, on a fait un petit peu le tour de beaucoup de questions. Babou, est-ce que tu penses qu'il y a un problème physique? Alors un problème physique, moi je ne suis pas assez spécialiste, donc je laisserai plutôt les autres s'exprimer, mais en tout cas moi ce que je constate c'est que c'est une saison quand même qui a été difficile à mettre en place, et il y a de nombreux joueurs qui sont soit arrivés tard, soit qui ont eu des saisons tronquées, des débuts de saison tronqués, que ce soit Gomis, Bedimo, Vainqueur qui est arrivé très tard aussi, des joueurs qu'on recrute comme aussi Payet là des derniers temps. Si tu regardes bien sur nos titulaires, il y a quasiment la moitié de l'équipe au moins qui n'a pas fait une préparation correcte. Voilà. Donc ça se paye, je pense, un petit peu maintenant en fin de saison. On paye la préparation. C'est une version tout à fait audible de la part de Babou. Arnaud, quel est ton avis, toi, sur les prestations de l'OM? Oui. Pour rebondir sur ce qu'il disait, il parlait de pressing des équipes adverses. Et Garcia a une philosophie de jeu, c'est d'avoir le ballon. Et pour avoir le ballon, il faut le récupérer. Donc lui, il veut amener un pressing haut. Et tu réponds par un pressing d'une équipe adverse ou par un bon jeu de possession. Et comme disait Bernard, on n'a pas les capacités techniques pour garder la balle. Ou par un contre-pressing. Et on n'est pas en mesure, pour rebondir de nouveau sur ce qu'il disait, on n'est pas en mesure de contre-presser l'adversaire. Puisque physiquement, on est inégalitaire face aux capacités physiques de tous. Donc il y a le manque de préparation et les préparations tronquées, et au-delà de ça il y a eu un remaniement de l'intérieur du staff de Rudy Garcia, qui a pris un mec de Rome pour faire le management en performance, qui a pris deux préparateurs physiques supplémentaires pour travailler justement individuellement pour réélever les curseurs. Donc voilà, je pense qu'il va falloir encore 6 mois un petit peu pour réajuster tout ça. Et je pense qu'on est sur un petit cal physique et un petit cal mental aussi, comme il disait. Ça existe vraiment, la fatigue mentale? Elle est due à une fatigue physique. Parce que peut-être qu'on est passé d'un travail de Michel, puis de Franck Passy, qui était un peu moins, j'en sais rien. Je suis pas à l'intérieur, mais de ce qu'on entend et de ce qu'on peut voir aussi sur le terrain. Et là, on s'est rendu compte que d'un coup, il y a eu un pressing haut, on allait chercher les ballons et on jouait au football. Et ils n'avaient peut-être pas l'habitude de faire ça. Et quand on pose la question à Payet sur les différentes émissions, et ils disent à tous bon courage avec le travail de Bielsa, qui se passera plus dans pas longtemps à Lille, ça veut dire qu'ils ont connu un super travail avec Bielsa, physique notamment, avec beaucoup de répétitions d'efforts, beaucoup d'intensité, et tu joues comme tu t'entraînes. Et donc à un moment donné, il y a eu un recal un petit peu avec les deux précédents coachs, et là on regagne un peu ça, et mentalement ça épuise un peu plus. Très bien, c'était clair et précis. Romain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le cas physique? Peut-être tu voulais parler des internationaux, qu'il y a eu cette coupure de la trêve, tu penses que ça a joué un rôle? Ça a peut-être un peu joué. Je pense que sur ce match de Dijon, là où ça a vraiment tué l'équipe, c'est à l'heure de jeu, parce que Gomis, tu jouais sans attaquant, il était gentil mais il pouvait plus, et donc du coup comme il pouvait plus, j'ai vu toute l'équipe essayer de monter beaucoup plus haut et d'essayer d'être en soutien de Gomis pour essayer de trouver des ballons exploitables. Et je pense que c'est là où entre guillemets ils se sont cramés, où ils ont tout brûlé dans le réservoir, et à cette période là ils se sont dit bon ça va, on va marquer, notamment ce poteau de Thauvin là, cette occasion un peu bizarre. Et puis par contre derrière, quand Dijon du coup s'est remis en place, et ben ils n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour les remettre en danger. Après, juste pour rebondir sur ce qu'il disait, dans un match, à la 30e, tu observeras toujours un petit cal des équipes. T'as Nantes qui produit un super pressing ces derniers temps, mais tu remarqueras à partir de la 30e, 35e, il y a un petit cal physique, c'est énergétique, c'est logique. Et puis après, on a un regain un petit peu d'énergie, puisqu'à la mi-temps, on se régénère, on se ressource aussi au niveau hydrique, au niveau nutrition. Et derrière, à partir de la 65e, on a de nouveau ce cal, un petit peu, parce qu'on a quand même puisé pendant 45 minutes sur la première. Et donc là, on a du mal, j'ai l'impression, dans ces phases-là, à repartir après la 30e.
40e et après la 65e, on a vraiment du mal à repartir. C'est vrai qu'on le constate aussi par rapport aux occasions. C'est là qu'on commence à écrire nos résumés de match. Parce qu'on sait que justement vers la 30e, 35e, ça. C'est là où le mental rentre en jeu, comme disait Bernard aussi, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre l'ascendant psychologique pour avoir plus le temps fort, toi, que l'équipe adverse. Tiens, Romain nous soumet quand même une bonne question, une bonne remarque en tout cas, certainement due aussi à son prénom, n'est-ce pas, Romain ? C'est pas le même effectif quand même. Voilà. Regarde Nice. On va la lire. Nous parlons d'un déficit physique alors que nous jouons un match par semaine. Le PSG Monaco joue tous les 3 jours. Regarde Nice. Nice qui perd Cyprien. Nice qui perd Pléa. Le problème de Paris et de Monaco, c'est qu'au niveau circulation, du ballon, ils ont continuellement le ballon. Ils ne courent pas après. Donc c'est eux qui fatiguent. C'est eux qui fatiguent les autres. C'est ça le problème. Babou n'a pas l'air d'accord. Non. C'est pas que je n'ai pas l'air d'accord, mais c'est qu'il faut prendre le problème aussi. Justement, si on joue qu'un match par semaine et justement. En physique, il y a aussi un problème de rythme. Le rythme, c'est quelque chose d'important. Et ce rythme-là, ben, je sais pas. Ben, en fait, quand tu joues tous les 3 jours, tu fais que de la récup. Donc, si tu fais de la récup, malgré tout, ben, tu récupères aussi, voire plus que les autres. Parce que les autres, pendant ce temps, ils travaillent. Et ben, des fois, peut-être durement pour essayer justement de rattraper trop tard. Et peut-être trop durement justement pour le samedi être un peu cramé, on va dire. Messieurs, avez-vous quelque chose à ajouter sur le physique? Non, c'est que souvent, il y a des équipes qui trouvent des excuses en disant... Pourquoi en disant on joue tous les trois jours, on est fatigué, c'est facile. Non, c'est plus fatigant de faire un entraînement que de faire des matchs. Il faut le savoir, il faut le dire aux gens, ça. Selon le rythme que met le coach, complètement. Donc, c'était Gignac qui avait dit, quand il y a eu les tours préliminaires d'Europa League, on veut se qualifier parce que s'il y a des matchs de Coupe d'Europe, on n'aura pas les séances de Christophe Manouvrier. Les titus, ils sont aux soins, ils sont en récup. En plus, il y a du super matos à Marseille, ils sont en cryo, etc. Donc les mecs, au final, ils ne s'entraînent pas, ils jouent. Et comme on sait que jouer, ben, c'est vraiment ce qui motive le gars. Est-ce que tu penses qu'il faut être inquiet là, pour les 7 matchs qui arrivent, d'un effondrement physique ou mental ou les deux? Ben, je pense qu'il sera, comme dit Bernard, un peu psychologique par manque un petit peu de technique. Et du coup, on ne peut pas jouer face à des adversaires qui vont venir nous chercher parce que j'ai vu qu'il y avait Nancy et Caen. C'est des mecs qui vont avoir la dalle. Et du coup, ben, il va falloir répondre présent. Donc je pense qu'on peut avoir un calme un petit peu et baisser de rythme. Merci en tout cas pour l'analyse qui a été complète, je pense, sur le dossier physique. On avance vers le 11 de départ parce qu'il y a quand même... quelques joueurs à replacer dans la compo, c'est la question qu'on va se poser tous ensemble. Que faut-il changer ? Qui faut-il changer dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille ? Je vous propose, pour illustrer tous vos propos, messieurs, qui vont suivre, de découvrir la compo du dernier match, quelque part la compo type de ces dernières semaines, à quelques exceptions près ou pas. C'est vous qui allez me dire qu'est-ce qu'il faut changer là, Babou, pour que l'OM se relance à Toulouse déjà, et puis pourquoi pas sur le plus long terme. Alors se relancer, peut-être voir avec les hommes en forme du moment. Voilà, et clairement, tu sors qui, tu mets qui? C'est peut-être Lopez et pas du tout pour moi. C'est pas du tout un procès que je lui fais sur ses qualités parce que c'était évident qu'il allait subir un creux forcément avec tout ce qu'il a montré depuis le début de saison. Moi, je pense qu'en ce moment c'était peut-être Cabella qui était dans une bonne forme pendant que Gomis n'était pas là. Peut-être que je le réintégrerai au milieu de terrain puisque sur le dernier match, on a vu que ça avait un petit peu changé. C'était pas vainqueur Lopez et Sanson un cran devant. C'était l'inverse. Sanson a joué plutôt aux côtés de vainqueur et Lopez a joué quasiment comme un numéro 10, chose que peut faire Cabella aussi. Il n'a pas très très bien fait depuis qu'il est à l'OM, Cabella numéro 10. Hein. Ouais, mais ça c'était avec d'autres entraîneurs aussi. Il l'a pas fait avec Garcia et je pense que Garcia ne demande pas les mêmes choses. Quand Sanson jouait dans ce poste-là, c'est plutôt déjà un numéro 10 défensif, comme je disais l'autre fois, un 8,5. Quoi. Je crois que la seule fois qu'il est rentré, c'était pas vraiment dans cette consigne-là, puisqu'il était derrière l'attaquant. Il a fait un match, ouais. C'était en coupe contre Monaco et il met 2 buts. Donc là, pour le coup, peut-être que Cabella... C'est ton choix aussi, c'est ce que tu changes aussi? Pas du tout. Moi, je pense que si Max regarde l'émission, il va ricaner, il va dire c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais je sortirai Maxime Lopez aussi parce que voilà, donc pareil, je pense que là il court trop. Est-ce que lui peut être vraiment fatigué physiquement selon toi, pour le coup, Maxime Lopez, à la différence de certains autres? Après, il avait l'habitude de s'entraîner avec les pros, mais c'est vrai que l'intensité et beaucoup de choses reposaient sur ses épaules ces derniers temps. Il faisait le jeu, c'est lui qui menait le jeu. On l'a comparé à Andrés Iniesta à un moment donné. Il est cramé ou pas?
physiquement. Je pense pas que ce soit physique. Je pense qu'il y a eu une émulation derrière tout ça, d'accord. Et puis qu'à un moment donné, ben, il y a eu une euphorie et elle retombe progressivement. Il sait pas quoi faire quand il touche pas les ballons. C'est un joueur à 100 ballons par match. Et je pense que si dans un match il a pas 100 ballons à toucher parce qu'il y a Payet sur le terrain, parce qu'il y a d'autres joueurs, et ben du coup il sait pas quoi faire, il fait des petits tours en rond, il va trouver ses marques, ça apprend. Là je pense que pour un match en déplacement, je reviendrai moi à une configuration avec Sanson numéro 10. J'ai beaucoup aimé ce qu'il fait dans cette position là et donc je mettrai Zambo parce que à côté de Vainqueur, parce que aussi je trouve que Zambo permet à Vainqueur de mieux jouer, dans le sens où Vainqueur peut-être surveille Zambo et donc reste bien derrière, alors que là le match contre Angers, contre Dijon, j'étais assez déçu de Vainqueur, que j'ai vu un peu trop monter, un peu trop sortir de son rôle. C'est vos seuls changements d'ailleurs au milieu de terrain où vous réagissez? Oui, moi c'est la seule chose, mais c'est vrai que Zambo on joue contre Toulouse qui est une équipe assez physique. Alors donne-moi, voilà. Je ne le changerai pas et je demanderai à l'entraîneur qu'il le mette dans une position où il peut s'exprimer. Laquelle? Après, une position où il jouait jusqu'à maintenant. Il avait la maîtrise du ballon, il avait la maîtrise de venir aider chercher les ballons. Faut pas, c'est pas parce qu'il n'est pas bon un match qu'on sort un joueur, je ne comprends pas. D'accord. Il faut le repositionner, puis le redonner confiance. C'est un garçon qui a des qualités énormes. Tu gardes ce 11 là, toi, pour le prochain match, tu ne changes personne? Non, mais je revois la tactique. D'accord. Ouais, par rapport à ça, est-ce qu'on peut se poser la question d'un 4-4-2 un peu plus losange, où on recentre un Payet, un Gomis qui est beaucoup esselé ces derniers matchs, et est-ce qu'on n'y met pas un Thauvin qui tourne autour? Voilà. Et à ce moment-là, Thauvin, il a du peps, il a du feu, il a eu une sélection, il a été sélectionné, on va dire, dans le groupe. Est-ce qu'on reverrait pas un 4-4 de losange où on... C'est vrai qu'après tout, on a des latéraux, peut-être que si Evra peut prendre la place de Bedimo, c'est... Voilà, et avec un... Alors, le changement que je ferais, moi, c'est Bedimo pour Evra. Comme ça, on peut libérer les couloirs et avoir plus de solutions. D'accord, très bien. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Patrice Evra. Ouais, c'est vrai. Moi, que ce soit un ou l'autre, de toute manière... La charnière, vous la maintenez, monsieur? Elle vous a convaincu, Sartic Rolando? Je pense que le critère numéro 1 de Rudy Garcia là-dessus, c'est la relance. C'est les deux joueurs... Dans les joueurs qui peuvent prétendre à une place de défenseur centraux, qui ont la meilleure relance, la moins mauvaise. La moins mauvaise, alors. C'est ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pour ça que c'est eux qui sont là. C'est-à-dire une relance comment? Explique-moi, parce que je ne comprends pas. Une relance comment? Tu as parlé au poste de Bernard Bosquet. Je ne sais pas, moi je connais l'attaquant, je ne connais pas. Je parle défenseur. On va prendre le problème à l'envers. Dis-moi qui a une meilleure relance qu'eux en défense centrale dans l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille. Ah mais je ne dis pas, je me dis, j'ai cette équipe, j'ai ces deux garçons qui sont là, tu me dis quelle relance, si c'est pour balancer un ballon à 35 mètres, qu'on regarde qu'il faut enlever la neige dessus, effectivement, mais si c'est pour repartir balle au pied, ce que je vois ou que je vois très peu, mais ils en sont capables, c'est ça que question. Je vois Rolando et Sertic monter balle au pied, faire la différence et à ce moment-là donner son ballon quand tu arrives dans l'axe, c'est tous les entraîneurs qui disent ça, il y a les attaquants reviennent jusqu'au milieu et les défenseurs font le boulot jusqu'au milieu. Ils viennent, ils donnent un ballon à quelqu'un qui s'est démarqué. Tu es capable de le faire, Rolando? Ah ben, je sais pas, je suis pas à l'entraînement pour voir comment il joue, mais. Sertic peut le faire, oui. Ça je suis sûr et certain. Rolando. Sertic peut le faire, ça je suis sûr et certain. Vous allez rire, mais moi il y en a un que je trouve qui a une meilleure relance que Rolando, c'est Doria. Doria. Je sais pas si. Mais après, il est peut-être moins bon sur l'homme, moins bon défenseur, mais. C'est un goût. Il y a un problème sur lui, donc je sais pas. Après, ce que dit Bernard, c'est. Il y a eu un article, là, un super article sur Guardiola, il y avait beaucoup de pages sur lui, sur l'équipe, et il disait que la première qualité à faire là, pour un défenseur, c'est de sortir avec le ballon pour faire sortir un mec. Et sauf que je pense que Doria est gaucher, donc Doria, Sertic, ça peut être équilibré. C'est ce qu'on appelle fixer un joueur. Parce que quand tu me dis, moi j'ai vu un match il y a 6 mois, je ne me rappelle plus lequel, si c'était. Je ne me rappelle plus. Rikic, il a fait 20 passes au gardien de but en première mi-temps. Je veux dire, à partir de là, tu as tout compris. On l'a pas cité d'ailleurs. Non, mais je veux dire, j'ai rien contre lui. Mais après, tu n'es pas un footballeur. Tu prends le ballon dans les pieds, tu montes, tu fais 3 mètres, tu essaies de le donner à quelqu'un. Mais tu ne le redonnes pas au gardien de but du milieu du terrain. Ce qu'on ne peut pas enlever à Rod Fanny. Il essaie. Voilà. Bon, il y a un peu plus de déchets, mais au moins, c'est pas ironique. Voilà, c'est pas ironique. Au moins, il essaie. À la décharge de Rikic, il a très peu joué dans l'axe aussi cette saison. Il a beaucoup joué à gauche, c'est juste pour équilibrer les choses. C'est bon, sinon vous maintenez le 11 comme il est, vous ne changez rien d'autre, messieurs, on est d'accord. Donc c'est peut-être pas un problème d'homme, mais bien, comme tu le disais, soit de tactique, soit aussi un petit peu de physique. Des fois, confiance. Ça se joue à des détails, il suffit d'un petit changement pour tout. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de Toulouse.
Toulouse maintenant, puisque c'est la prochaine destination des Olympiens. Ce sera dimanche à 15h, je vous le rappelle, au Stadium, où les supporters de l'OM seront peut-être plus nombreux que les supporters de Toulouse. On va voir ça tout de suite. Toulouse, Olympique de Marseille, c'est l'affiche de cette 32e journée de Ligue 1 ce week-end. Dimanche 15h, je le disais. Babou, est-ce que c'est un match piège? La question en bois. J'avais pas d'autres questions, là, ça m'est venu comme ça, Babou, désolé. Est-ce que tu veux dire autre chose, peut-être c'est... de plus intelligent que de répondre à la question? Plus intelligent, j'aurais jamais, tu vois, cette prétention. Mais si, par rapport à la question match piège, ce sera forcément plus intelligent. C'est un match, moi, à chaque fois qu'on joue contre Toulouse, pour moi, c'est un choc de culture, parce que c'est une des équipes que je trouve les plus physiques, du athlétique en tout cas, du championnat. Et sur les coups de pied arrêtés, à chaque fois, on souffre beaucoup. Ils ont cette défense centrale, je sais pas si Julien va jouer. On va mettre d'ailleurs la compo possible. Ça reste avec Braithwaite aussi. Tout ça, ça reste une équipe qui te bouge, qui est capable de te bouger physiquement. Et nous, c'est vrai qu'on a plutôt des petits gabarits, notamment dans le milieu de terrain. Donc, c'est à chaque fois un petit choc, je trouve, contre cette équipe-là. Tu valides qui prendra l'ascendant. Les propos de Babou, Arnaud ? Athlétiquement, oui. Athlétiquement, dans la capacité physique, mais comme il disait, de force, oui. On est en infériorité sur ce domaine-là. Après, les capacités physiques regroupent plein de choses. Oui. Sur l'aspect énergétique et conditionnement à l'effort, non ? D'accord. C'est une bonne équipe, Toulouse, Bernard, du championnat. Oui, comme toutes les équipes, avec des hauts et des bas. Il n'y a aucune équipe qui stagne pendant le championnat. Donc c'est vrai qu'elle vient de faire un résultat. Elle a récupéré un garçon comme Delors, qui est un vrai buteur. Ouais. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et puis elle a un entraîneur qui est un meneur d'hommes, qui va se servir de la victoire qu'il a eue dernièrement pour rebooster cette équipe. Oui, mais à ce niveau, Marseille doit tenir le haut du pavé aussi. Donc, il vous plaît Duprat comme entraîneur pour l'ancien OM? Est-ce que c'est un entraîneur que vous auriez pourquoi pas aimé voir sous le maillot de l'OM ou pas, messieurs? Moi, c'est pas ma cam. C'est pas ta cam. Vous non plus? Non. Moi, je suis pas très fan. Après, on va pas sentir. C'est toujours sympa de l'avoir en Ligue 1, d'avoir des petites déclats, oui. Tout ça. C'est un personnage. C'est le Calimero un peu de la Ligue 1. C'est un personnage C'est le Giroud des temps modernes. Exactement. C'est pas faux. Comme Giroud, c'est agréable à suivre. Mais je pense que c'est un peu plus emmerdant quand c'est ton club. On a un invité en ligne qui est bien sûr qui sera dans les tribunes dimanche. C'est Paul Cometto des Indians, évidemment le groupe de supporters toulousain. Bonsoir Paul, première question, comment tu appréhendes ce match pour le TFC face à l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es confiant? Donne-nous ton sentiment avant cette rencontre. Bah bonsoir à tous. Le sentiment, il est assez simple. C'est l'anniversaire du club. On est plutôt tourné vers ça. On joue pas notre vie. Puis l'OM, c'est un match. C'est plutôt le contenu du match va être plutôt au second plan. On est plutôt content de retrouver tout le monde, de voir les anciens joueurs, etc., qui vont être là. Ça va être un vrai moment d'échange. Ça va être surtout centré autour de ça. Hein. Est-ce que du coup, je suis obligé de te poser la question, mais est-ce que tu as peur, quelque part, de revivre le match de début janvier dans les tribunes où j'y étais également, et c'était vraiment 50-50, quoi. Donc, quand on supporte un club, qu'on accueille des matchs et qu'on voit que la moitié des tribunes chantent pour l'autre équipe, ça fait forcément mal. Est-ce que tu as peur de revivre ça, justement, en parallèle avec ce que tu disais par rapport à l'anniversaire du club? Oui et non, je pense pas. Ça va être quand même un contexte assez différent. Il y a beaucoup moins de mobilisation, beaucoup moins d'engouement pour ce match. Et puis après, on sait comment ça se passe. Hein. On l'a perdu ce match et forcément, les indécis, les gens qui retournent leur veste ont bien supporté l'OM. Mais les dernières fois où ça s'était bien passé, on n'avait pas eu du tout ce phénomène-là. C'était plutôt des gens qui se disent « Tiens, je suis toulousain, en fait, je vais supporter le TFC. » Mais quand il perd, « Ah tiens, ben, je vais supporter l'OM. » Donc finalement, je suis pas très inquiet. Je pense qu'on va pas perdre ce week-end et je pense que ça se passera très bien pour nous. On te le souhaite, même si on ne nous le souhaite pas. Une question sur l'effectif, Paul. Y a-t-il des hommes en forme, des hommes à suivre côté toulousain? Y a-t-il surtout aussi des forfaits de dernière minute? Il n'y a pas de forfait de dernière minute pour l'instant. Les hommes forts, je pense que Andy Delors revient bien mentalement là, avec son but contre Montpellier. Et puis la charnière centrale, Diop, Julien, est plutôt en confiance, notamment sur les coups de pied arrêtés, donc ça peut aussi être un danger pour vous. Ouais.
Très bien, merci en tout cas pour cet éclairage et puis bonne chance, hein, pourquoi pas à Toulouse. Hein. On souhaite évidemment bonne chance à tous nos adversaires, même si au fond, on le pense pas. C'est comme ça, c'est le football. Merci d'avoir été avec nous vraiment, Paul, et puis bon match et à dimanche, car je serai parmi vous à Toulouse. Salut. On enchaîne, messieurs, avec donc la compo de l'OM, on l'a vu. Juste la un compo petit de Toulouse, mot sur Toulouse. Oui. Il y a un joueur, bon, c'est Corentin Jean. Moi, c'est pas le même. Vas-y. Eh ben, j'aime beaucoup ce joueur. Alors, on parlait tout à l'heure d'un Valère Germain sous-côté. C'est pas Valère Germain non plus. Mais pareil, je trouve que c'est un joueur, un attaquant pas mal, qui sent le football. Point commun aussi, il appartient à Monaco. Il appartient, c'est vrai, il est prêt. Toi, c'est qui alors? C'est Frérot, moi, tu vois, pour le côté sous-côté. Pour le sous-côté, et je pense que quelquefois, j'ai réfléchi, je me dis qu'il est capable de faire à peu près, on va dire, mais un bon remplaçant à Maxime Lopez ou à Morgan Sanson, puisque c'est un petit peu le même genre de joueur. Et il perd, je crois, il doit perdre peut-être un ballon, voire un ballon et demi par match, ce gars-là. Moi, il faudrait vérifier, je crois qu'il est en fin de contrat. C'est possible. J'aime bien Bryce White, moi. C'est un joueur qui m'a toujours plu dans le style. Ah, je pensais que voilà. Tu allais m'en citer un autre qui est dans l'effectif de Elmander, Toulouse. Elmander, évidemment. Non, Toivonen. Ah oui, je les confonds, Elmander et Toivonen. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est même genre. Arnaud, toi, t'as un joueur un peu phare dans cette équipe moi, j'aime que bien, tu crains ou que tu aimes bien. Trérot, qui est un super milieu de terrain et qui a une super vision de jeu et qui perd très 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 peu de ballons. Donc, Bernard surveiller. De l'or. Avant-centre, c'est un numéro 9. Oui, je pense. Puis lui aussi, il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont le sens du but pour être buteur. On n'a pas 50 occasions dans le match. Vrai, le buteur, il en a une, dimanche. Deux. Et puis le reste du temps, il faut qu'il joue pour les autres. C'est ça le problème. T'inquiète pour dimanche, Delors. Tu penses qu'il peut. Ben, il peut faire quelque chose. Mais dans le football moderne, on voit tellement de trucs, surtout dans les équipes actuellement. La dernière fois qu'il a joué l'OM. C'était pas bien passé. C'était avec Caen, donc vrai, pour rappel, vrai. C'était. On les avait joués trois fois cette année-là, me semble-t-il, entre les coupes et les coupes le de France. Mmh. Et on jouera trois fois Toulouse cette saison. C'est vrai. Bernard, tiens, avant de conclure cette partie sur Toulouse, la charnière. On parle beaucoup de ce petit Diop et aussi de Julien, deux défenseurs très physiques. Est-ce que c'est un problème quand on affronte une équipe avec deux défenseurs avec plutôt des caractéristiques physiques que non, techniques? Non, mais moi, ça me fait rigoler. Ils sont physiques. Mais ça veut dire quoi, être physique? Ça veut dire que quand on rentre dedans, le football, c'est pas fait pour rentrer dedans. Ça, c'est la première chose. C'est un sport de contact, le football. Normalement, non. Sur le rugby, oui, c'est un sport de contact. Mais quand on m'a dit, il y a deux défenseurs, c'est des solides. Qu'ils soient bons, intelligents, qu'ils se placent bien, qu'ils aient une bonne relance, c'est tout. Qu'ils soient physiques, ils seront physiques, puisqu'ils sont dans des entraînements avec les autres joueurs, il n'y a pas de raison. Mais ce qui fait la différence après, c'est l'intelligence du joueur, le placement. Oui. L'entraîneur n'est pas derrière, en train de faire des gestes sous son banc, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Donc c'est après l'intelligence du joueur qui fait le jeu de l'équipe. Le physique ne compte pas la team chemise. moi, c'était surtout moi tout à l'heure quand je parlais de Diop Julien, c'est je pense notamment au coup de pied arrêté parce qu'à chaque fois que je vois jouer Toulouse, ce Julien là dans la surface, c'est énorme. Il est à 10 buts déjà. C'est énorme. Ah ouais, c'est pour incroyable. Ça que je disais, faisons attention parce que. Après, tu as Gourcuff, Christian, le coach, qui disait bien défendre, c'est pas forcément récupérer le ballon. Et il demandait à ses joueurs d'éviter le duel, donc ses joueurs offensifs. Donc essayons de le faire. C'est une façon de voir. Moi, j'aime bien les défenseurs qui mettent des coups. pour moi, le foot, c'est pas un sport d'évitement comme le basket. Tu vois, Bernard, moi, je mettrais dans ah une bon catégorie. Ah bon eh, pour moi, je mets le basket, après, je mets le foot et ah après, ouais je mets le rugby. Ah ouais. Pour moi, c'est entre les deux. Il y a le physique. Normalement, c'est pas physique. Normalement, c'est fait pour éviter les en coups. Ligue 1. Pourquoi il y a des tacles en Ligue 1, pourquoi y a le des moindre contact est sifflé. Oui. C'est tout, non? Dites-nous pour vous sur Twitter hashtag LiveTalk, le football doit-il être un sport physique ou non? L'est-il en tout cas? Donnez-nous votre avis, tiens, ça éclairera peut-être nos avis, que ce soit de Bernard ou de moi, même si Bernard a déjà son avis et qu'on ne le fera pas changer d'avis. On passe à la partie 6 où on a vu les Olympiens, les dirigeants olympiens se rendre du côté de Barcelone et kiffer la rencontre entre le Barça et Séville.
Et oui, Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta étaient du côté de Barcelone pour assister à Barcelone-Séville. Ils ont passé la journée avec les dirigeants du Barça où ils ont pu échanger sur la méthode, sur la formation, sur les accords aussi avec les petits clubs alentours. Ils ont beaucoup parlé et d'ailleurs Jacques-Henri Hérault s'est fendu d'un tweet, je ne sais pas si nous l'avons, en tout cas oui, voilà, nous l'avons. Oui, on kiffe, voilà, c'est pour ça que je disais kiffe Babou, on kiffe vraiment. Quel maestria, tout le comex. Alors comex, j'ai découvert ce mot, je ne le connaissais pas. Ça doit vouloir dire, j'ai pas cherché en fait, Romain, peut-être comex. Non, c'est en référence à la comex, non, je sais pas. Non, personne. Qui plonge. Donc on va commenter un truc dont on ne comprend pas les mots. Tiens, je vais demander à Rémi et Nico en régie, qui s'appelle aussi Chabert d'ailleurs, tiens, comme toi, aucun lien, m'a-t-on dit avant l'émission. Le comex de l'OL est avec nous. Ça aussi, si on peut en régie regarder. Mais ils sont au courant, pour le coup. Beaucoup d'échanges avec le staff du FCB aujourd'hui, inspiration. Tiens, si vous pouvez vraiment me donner la définition du mot comex, ça serait très gentil. Maestria, on connaît. C'est compliqué, mais on connaît. Voilà, c'est un petit peu de maestria, quoi. Superbe. Comité exécutif. Voilà, c'était. Voilà. Bon, effectivement, il fallait. Ah, on passe pour des cons, hein, les gars. Ouais. La prochaine fois, on le prépare avant, comme ça on le dit. Mais si tu veux, on l'a lu et puis on s'est dit, ouais, ça doit être un terme. Et on n'a pas pu chercher plus. Mais bon. Si on demandera à Romain sur le moment. Voilà, messieurs, donc un tweet de Jacques-Henri Hérault. Une opération de com avant tout, Romain, toi qui maîtrises bien les arcanes. C'est pas forcément une opération de com à proprement parler. Évidemment que je pense pas qu'ils étaient là-bas pour superviser un joueur. Donc on va se dire pourquoi ils y vont, pourquoi le montrer à ce point. Il y a toujours des gens pour dire oui, il y a trop de com et compagnie. Je pense que c'est pas non plus si bête. Bernard Tapie, en son temps, disait à un moment donné, on veut que l'OM soit en Grande Europe, donc on prend Beckenbauer, les arbitres voient Beckenbauer, ils sont comme des fous, ils en parlent et compagnie, ça fait parler de l'OM en Europe. Je pense que là, c'est pareil, c'est-à-dire que de voir les dirigeants de l'OM accueillis à Barcelone, ça fait un peu parler là-bas, j'ai vu des retours presse en disant, tiens, c'est qui lui a ? Ben, tiens, c'est le président de l'OM. Voilà, on sait jamais si derrière, il y a des négociations ou un joueur qui a appartenu à Barcelone, que l'OM veut recruter. Enfin, des échanges, c'est toujours bien de travailler cette situation-là. Ça fait partie d'une politique. Il faut les bons dirigeants, c'est des dirigeants qui sont en bon terme avec tout le monde. Regardez le Bayern, regardez le Milan, Galliani, souvenez-vous Galliani à l'époque. Il était pote avec tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Donc, évidemment, nos adeptes de la communication ne vont pas trouver ça terrible, ouais. Mais ça marche comme ça de tout temps. Donc, c'est une bonne idée, messieurs. Vous êtes d'accord avec Romain ? C'est une... d'aller voir ce qui se fait à l'étranger, au Barça, ou vous pensez qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller voir ce qui se passe pour savoir ce qui se passe? Il faut toujours avoir cette humilité quand même, d'aller se dire, il faut voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les bonnes... Surtout cette direction, depuis qu'elle est arrivée, de toute manière, c'est ce qu'elle a montré. Elle a montré qu'avant, je pense qu'il y avait un gros problème au niveau de la cohérence du projet, et qu'eux, là-dessus, ils essayent de mettre en place tous les rouages, tous les leviers sur lesquels ils peuvent tous les leviers qu'ils peuvent activer. Donc moi, je trouve ça pas mal. Oui, messieurs. Bah... Allez-y. Moi, je pense que c'est bien de s'inspirer. C'est quand même un grand club et c'est un des plus grands d'Europe. Donc oui, très bonne idée. Personne ne connaît la vérité. Hein. Personne. La science infuse. En plus de ça, quand on va à Barcelone, on sait où on va. On sait ce qui s'est passé depuis le début du jeu de Barcelone, au départ de Cruyff et tout. Oui, je pense que c'est intéressant d'aller voir comme ça se passe au niveau de la formation. Au niveau du joueur, je ne pense pas, mais au niveau de la formation, oui. Voilà, comme il disait, ils sont en pleine restructuration et le fait d'aller à Barcelone, apparemment, j'ai entendu dire qu'ils voudraient, par exemple, intégrer que toutes les équipes de jeunes puissent jouer dans le même système de jeu, ce qui permettrait d'avoir une continuité. C'est le fait Barcelone. Voilà, ce qui a fait Toulouse à un moment donné avec Casanova qui jouait en 3-5-2. Donc il y a des clubs qui ont commencé à le faire en France, mais on le fait très peu. C'est-à-dire qu'on là on va entraîner un collectif et on va avoir une vraie identité de jeu. Mais c'est en plus, je pense que Barcelone n'ouvre peut-être pas ses portes à tout le monde non plus, mais il faut profiter du fait que t'es Zubizarreta, quoi. Je pense que c'est grâce à lui que les portes se sont ouvertes, donc on en profite. Je profite aussi que tu parles de Zubizarreta pour vous passer le message de Titi La Menace, la question. Très bon d'ailleurs, pseudo Titi La Menace. Suite à la visite de notre président à Barcelone, peut-on imaginer un partenariat et voir des éléments de la Masia à l'OM bientôt? On peut penser à des prêts par exemple. Est-ce que... Non mais souviens-toi, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Il n'y a pas longtemps, Barcelone était interdit de recrutement. Ils accueillent Arda Turan et Alex Vidal de Séville. C'est vrai ce que tu dis. Et pendant 6 mois, ils les ont gardés à l'entraînement à rien faire parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour la Liga.
Bon, imaginons que si tu as de très bonnes relations avec Barcelone, eux, ils ont à l'esprit, quand il y a un souci pour leurs joueurs, de dire, tiens, vous voulez pas les récupérer pour 6 mois. Est-ce que c'est intéressant pour l'OM de récupérer des joueurs 6 mois? Tu me diras, Arda Turan, évidemment que c'est intéressant de le récupérer pour 6 mois. Même 2 semaines. Mais dans le futur OM, est-ce que tu vois, dans 2-3 ans, quand on aura des joueurs peut-être comme ça... Des relations avec un club, tu as à côté quelqu'un qui a été directeur sportif qui peut t'en parler. Quand tu as de bonnes relations avec un autre dirigeant, c'est des fois comme ça que tu fais de très bons transferts. Parce que tu vas avoir un directeur sportif qui t'appelle et qui te dit ce qu'il ne peut pas dire à des journalistes, bah, tel joueur il m'emmerde, tu veux pas, tu fais une offre et tout, et c'est comme ça que ça marche. Complètement. Donc, si tu as de bonnes relations avec Barcelone, on va pas s'en plaindre. Et ça marche aussi. Ça aussi, je ne sais pas si ça se fait à l'OM, avec les anciens joueurs. Les anciens joueurs, je dis un exemple de Magnusson qui est en Suède, de Skoblar qui est à Zadard. Il y a des contacts. Moi, j'étais à Saint-Etienne à l'époque pour venir Morassic. C'est un ancien joueur de Thonon-les-Bains qui m'a donné. J'ai rien inventé. Quand je suis allé chercher Vichke à l'Ajax, on m'a dit, il y a un gars, il y a un super, il faudrait que tu ailles le voir, ainsi de suite. Il n'y a pas de miracle. Mmh. On n'invente rien. En football, on n'invente rien. Tu prenais la voiture comme Zubizarreta. Tu prenais ta voiture comme Zubizarreta pour aller voir les joueurs directement. Je n'ai vu aucun match à Saint-Etienne. Donc, quand j'étais directeur sportif, j'étais tout le temps à l'étranger ou en des matchs de championnat. C'est ça que pour aller dire. Voir des joueurs, c'est tout. Mais c'est comme ça aussi peut-être que l'OM a réussi à faire Evra. D'ailleurs, il le racontait. Il avait pris sa voiture la nuit. Enfin, c'était un truc. Une bonne petite nouvelle de Romain. Babou, qu'est-ce que tu veux dire? D'accord avec Romain sur les joueurs comme Arda Turan et Alex Vidal. Après, la question a été posée sur les joueurs de la Masia. Je ne pense pas que ce soit du tout la politique. On veut s'inspirer de la politique du FC Barcelone. On ne veut pas récupérer leurs jeunes, les former, les leur rendre quand ils sont bons. J'ai pas l'impression. Ouais. C'est pas ce qu'on cherche à faire, je pense. On répond quand même à la question de Val sur le forum. Val0408, un partenariat avec le FC Barcelone, ne serait-il pas négatif? Ils incluent souvent une option de rachat pour récupérer un joueur. Exemple, on va acheter... J'explique la question. Ouais. On va racheter Paco Alcacer 20 millions et le Barça va inclure qu'à 30 millions, ils peuvent le récupérer s'il explose. Je pense vraiment pas que le but, ça soit de recruter un joueur de Barcelone dans l'absolu, dans le sens où tu sais aussi très bien qu'un mec qui joue à Barcelone, tu le mets à l'OM, ça marche pas forcément parce qu'il a ses habitudes de Barcelone, il va arriver, il va voir l'OM et dire « Ouais, mais nous, à Barcelone, on faisait ça. » Il n'y a pas de vérité dans le football, tu peux trouver des contre-exemples et compagnie. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça marche et je pense que c'est pas le but non plus. Mais c'est vrai que ce travail-là en profondeur est intéressant. Et oui, pour conclure, il faut communiquer dessus parce qu'il y a beaucoup de monde qui le voit et c'est important de faire reparler de l'OM sur ces termes comme ça, un peu positifs, on va dire. Très bien. C'est surtout intéressant pour les jeunes du club, de l'OM, les jeunes de Marseille ou des environs, quand on fera venir des joueurs, oui, on aura une façon d'appréhender la formation. Oui, ça, c'est important. Et ils vont voir, justement, à Barcelone, comment ça se passe. Pas question de... Il le sait déjà, non, Zubizarreta, il le sait déjà, non, comment ça se passe? Mais il doit le savoir, oui. Je pense qu'il a fait visiter. C'est bien de faire venir le président, si pourquoi pas. Et voilà. Tu parlais des jeunes. Si t'as des enfants qui sont à l'OM et qui tu sais qu'ils vont faire un tournoi en Catalogne, c'est quand même pas mal aussi. Non, mais ça peut pas être négatif de toute façon. Moi, je le vois plus pour les jeunes parce que je sais que Rudy Garcia et toute la nouvelle troupe veulent récupérer vraiment ce secteur formation qui était vraiment dissocié et laissé à l'abandon. Donc, je pense que plutôt dans un échange, d'aller voir comment ça fonctionne, faire des matchs amicaux, faire des stages, etc. Aller envoyer les éducateurs pour se former parce que le football espagnol, moi j'ai eu la chance de faire une semaine avec l'Espagnol Barcelone qui est quand même la succursale du Barça. C'est un autre football, c'est un autre sport. Enfin, de la façon dont on l'entraîne nous en France, c'est pas le même foot. Donc voilà, je pense que dans ces échanges-là, ça peut être très 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 intéressant. Merci messieurs, on conclut là-dessus, en tout cas sur ce partenariat ou pas d'ailleurs, hein, juste cet échange de bons procédés entre les deux clubs. On passe tout de suite à vos questions et à leurs réponses. Posez vos questions, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook. Il vous reste quelques secondes vraiment pour les poser parce qu'ils sont en train de les sélectionner, hein, les excellents frères Chabert. Voilà, la première a déjà été sélectionnée et c'est pour Bernard Boschi, Romain Canuti, Fabrice Seleski et Arnaud Chabert. Je la lis évidemment, Nicolas, ne t'inquiète pas. Biquette13HS, merci aux Fosséens pour les talk shows. Effectivement, c'est pas une question. Je vous suis fidèlement depuis la Chine. Continuez. Ah.
La Chine, pays qui tient à cœur à Bernard Bosquet ces dernières semaines. Hein? Ça va, ça se passe bien? Tu vas prévoir des recrutements d'interprètes, non? Ça va être difficile de faire oui, passer les consignes. Oui, pour précise, pour, en fait, tu ouvres un peu tes stages. Voilà, Bosquet les stages, oui, parce qu'il y a eu un article énorme qui a été fait sur un journal à Pékin et à Shanghai. Et qui a fait le tour un petit peu de partout. Donc, on a énormément de demandes. On a des demandes d'une vingtaine de garçons de Pékin avec 40 parents qui veulent venir passer 15 jours en balade. Je peux te poser une question. Est-ce que tu penses qu'en Chine, tu es connu, Bernard Bosquet, l'ancien footballeur? Non, parce que... Il y a un moment que j'ai dépassé le stade d'être connu. Je te pose non. la question, parce non. que les anciennes gloires du football européen sont toutes connues en France, par exemple. On connaît les gens de ton époque. Je suis à peine reconnu pour l'ancien concierge qu'il y avait avant, donc je ne peux pas... Donc c'est pas comme au Japon où les footballeurs sont idolâtrés. Non. Ce qui m'intéresse, c'est comme on vient de voir là, c'est le travail qu'on fait. L'échange. C'est que je m'appelle un tel Bosquet, Tartampion ou un autre, mais que vraiment tout le canevas de l'entraînement, comment on conçoit l'entraînement, comment on voit les jeunes au niveau technique et tout ça, ça c'est intéressant. Bon non, moi j'apporte plus rien. Je me suis jamais gargarisé avec non, ça, ni même sur le terrain. C'était pour connaître la culture foot de la Chine, tu vois. Non, c'est pas... Je suis connu par les stages. Comme je suis connu en France, ça fait 36 ans. J'ai eu 60 000 gosses. En France, t'es pas connu que pour les stages, t'es connu aussi parce que t'as été un grand joueur, Bernard. 1m80, pas plus. Allez, première question, Ben 21, vous préférez garder Gomis ou vainqueur? Vous ne pouvez en garder que, c'est le fameux tu préfères. Oui. Et donc je demande mon écran, tu préfères, c'est avec les quatre portraits évidemment. Qui veut commencer? Tiens, les habitués d'abord, Romain Canuti, tu préfères garder Gomis ou vainqueur? Je préfère garder, c'est une très bonne question, je pense que je préfère garder vainqueur. Bernard Bosquet, il préfère Gomis. Garder... Gomis, d'accord. Mais par contre, je garderai bien un vainqueur. Oui, mais là, tu ne t'en garderas pas. Oui, non, mais d'accord. Je pense que Romain garderait peut-être aussi Gomis. Évidemment. Arnaud. Gomis, pour cet aspect meneur de vestiaire. Très bien. Babou. Moi, vainqueur, sans hésitation, c'est un joueur, ce style de joueur que j'adore dans Alors sa là, vision du jeu. Comme vous êtes à moitié d'accord, deux qui ont choisi. Allez, départage-nous tout ça. Je vais vous départager avec le sondage que je demande à Nicolas Chabert tout de suite de lancer sur Twitter et je veux la réponse dans 10 minutes, voilà, d'ici la fin des questions-réponses. J'exige beaucoup de choses, mais la régie répond toujours avec brio à toutes mes demandes et elle va le faire encore une fois. Question suivante, messieurs. Si vous voulez fort, là, tu es fort. Et là, ils me font attendre un petit peu. Voilà. Titi la menace, le revoici. Salut le Phocéen. Enzi a-t-il une option automatique dans son contrat car il n'a pas la confiance de Garcia? Romain, l'option ça m'intéresse de savoir. Est compliquée sur Enzi. Même l'option lui, est compliquée. Rappelle-toi, en début de saison, Lui ne le sait pas. Il ne s'était pas de la langue de bois. Je pense qu'il n'est vraiment pas au courant des tenants et des aboutissants. Je pense qu'elle a été levée. Mais qu'il y a une possibilité en fait de revente immédiate. Oui, ça, je comprends. C'est-à-dire qu'il serait olympien, mais que rien n'empêche de l'OM de le revendre. La clause était tu sais à combien elle était? On a levé l'option automatique à combien? Elle était inclue dans le transfert d'Enkoudou. Oui, c'était 7 à peu près. Il me semblait que j'avais entendu dire ça. Ça veut tout et rien dire, parce que si c'est 7, mais parce que tu as vendu Enkoudou moins cher, est-ce qu'il valait vraiment? Oui, peut-être que c'est de l'argent que tu ne sors pas parce qu'ils n'ont pas fini de payer Enkoudou. Enfin bref, c'est compliqué. On a répondu, je pense, puisqu'on n'a pas la réponse, soyons clairs. Mais si on l'a acheté automatiquement, moi je sais pas vous, pour compléter la question, mais c'est peut-être pas le joueur que j'aurais gardé l'année prochaine. Alors la levée d'options automatique, je suis pas sûr que ça. Mais c'est que ce soit des héritages, on va dire. Après, ceci dit, après, c'est un héritage. Ça nous réussit. Hein, mais je pense que c'est aussi la direction actuelle, en temps et en heure, puisque les négociations étaient quand même bien avancées au moment où Enzi a signé à l'Olympique de Marseille, a été au courant, savait que Enzi allait signer à l'Olympique de Marseille. Et bon, ils ont validé. À ce moment-là. Darren qui nous demande si on croit en une victoire lors de cette Coupe Gambardella. On rappelle le match exactement au même moment que les pros. C'est dommage, c'est parce qu'on aurait aimé le voir, ce quart de finale. C'est ça. Et alors, c'est d'autant plus dommage qu'à Nantes, eux, ils ont bien senti le coup. Ça devait se jouer dans un petit stade, dans leur stade Lebert à eux. Ils ont délocalisé ça à la Beaujoire avec une entrée gratuite. Ils font de la com pour amener tous les Nantais, histoire de bien déstabiliser les Marseillais qui auront 18 ans et qui seront sur la pelouse. Bon, les Nantais auront 18 ans aussi. Hein. Oui, non, mais ils n'ont pas l'habitude non plus de jouer dans une ambiance de fou. Ils seront entourés de
supporters. Et pour Marseille, malheureusement, il n'y aura quasiment personne sur ce match parce qu'en effet, il sera en même temps que le match. On répond à la question quand même. Croyez-vous en une victoire en Coupe Gambardella, messieurs ? Tiens, Arnaud. On avait été éliminé il y a 2 ans ou par le PSG. On avait fait un beau parcours. Donc pourquoi pas être un peu revanchard et un petit peu au niveau des jeunes s'exposer ? On est encore trop loin, je pense, pour viser vraiment la victoire. Et puis pour c'est dur pour cette équipe de l'OM. Bon, on est compte qu'on parle de gagner une Ligue des Champions, mais pour l'instant, on ne gagne pas une Gambardella encore. Donc... Mais est-ce qu'il faut forcément gagner une Gambardella pour gagner une Ligue des Champions ? C'est un autre débat aussi. Ouais. Babou, tu penses que l'OM peut la gagner, la Gambardella, ou pas ? On répond à la question de Darren, clairement, hein, messieurs. Hein. Oui, je pense, comme Romain, qu'on est un petit peu loin. Mais après, je ne sais pas, sur la motivation, peut-être le fait de s'arracher, d'essayer d'aller vraiment toucher cette coupe qu'on gagne plus depuis longtemps, ce serait pas mal. Ça reste une coupe, hein. Donc c'est un match, pourquoi pas. Il faut pas oublier quand même que le tour précédent, tu passes contre Le Havre au tir au but, et que bon, t'as un gardien qui te sort trois pénaux lors de la séance, mais t'as aussi et l'autre, ton homme du match, c'est ton défenseur central, c'était Boubacar Camara qui y sera encore. Ils vont aligner les meilleurs là, ils vont envoyer les meilleurs. Évidemment qu'ils vont aligner les meilleurs. Sauf Lopez, Lopez est trop vieux. Il va falloir miser sur beaucoup de victoires comme ça. Non, Lopez est trop vieux. Il est trop vieux. Bon. Pas droit à 2-20. Alors là, tu me poses une colle, mais je crois qu'il peut plus. Bon. Okay. Bon, je vous pose la question parce que est-ce qu'il va aller là? Mais bon, s'il est trop vieux. S'il fait la Gambardella, qui fait aussi après les moins de 19, ouais. Là, il va plus jouer. Maxime. Il fait aussi une tournée casino, il y a un partenariat et tout. Alors, un nouveau, tu préfères. T'es pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous préférez Hector pour le poste d'arrière gauche et Lafont, donc deux jeunes pour vous, ou les expérimentés, ou un arrière droit, du coup. Ou moi je comprends sa question sur le fait, est-ce que vous pouvez faire quelqu'un d'expérience à ces deux postes, Casillas et Daniel Vess, ça a plus de 32 ans chacun, ça même un peu plus, ou Lafont, Hector, voilà des paris, même si Hector est un peu plus confirmé. Oui, que Lafont. Il y a de l'expérience. Non, mais est-ce aussi que vous préférez qu'on mise vraiment, on va répondre comme ça. C'est pas, on va pas faire vraiment un tu préfères, on va faire un petit débat. Est-ce que vous préférez qu'on mise sur de la jeunesse ou sur de l'expérience? Voilà, c'est ma question, messieurs, pour le prochain mercato. Juste de l'expérience, pour moi, oui. Mais juste une question. Comment se fait-il qu'un garçon comme Escal, qui joue dans l'équipe, qui est dans la sélection, on ne l'a pas vu? On parle de Lafont, qui est un jeune joueur, on parle d'Hector, mais on ne parle pas à l'OM. Il y a des choses que je ne comprends pas. Puis, on a Julien Fabry, pardon, qui a 30 matchs en Ligue 2 aussi, hein, maintenant, et qui fait une bonne saison à Bourg. Hein. Romain, c'est donc ouais. Il suit ESKLS et Fabry. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Après, le poste de gardien, c'est toujours pareil. On le voit, il y a beaucoup de pression à l'Olympique de Marseille à ce niveau-là. Mais c'est vrai que oui, quand je vois circuler certains noms de gardiens, quand j'ai vu marquer Kiko Casilla ou Ospina, voilà, à ce moment-là, oui, il faut pas non plus. Soit on prend quelqu'un vraiment qui amène un top et qui amène un top sur tous les plans, soit oui, à ce moment-là, on n'est pas forcément dépourvu. Il faut faire attention. Il y a des postes où on est beaucoup plus prioritaire. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, c'est pour ça que là, je vois les. Tu me parles d'expérience, de jeunesse. Qui tu veux tant que c'est des défenseurs? Fais-moi venir sur le bon constat défenseur de Romain, qui est de dire qu'on est pourvu en gardien de but. C'est ce que tu as dit à peu près, hein. Oui, attention, après, c'est ce que tu as dit. C'est toujours pareil. Tu es pourvu. C'est pas, tu as personne, il faut que tu recrutes. Comme on a. Ah, moi, c'est mon avis, mais bon. Comme on est par exemple. Non, mais dans l'effectif, tu as un problème. On l'a vu au poste de latéral gauche. Bon, tu as recruté Evra, mais tu avais Evra Bedimo blessé. Tu n'avais pas. Voilà, c'est compliqué. Tu n'avais pas vraiment d'arrière gauche de métier. Tu n'avais pas de doublure à Sakai. Tu n'as toujours pas de doublure à Sakai. En attaque. Voilà, tu as des problèmes. En défense poste centrale, de gardien. Ouais. Bon, même si c'est un choix d'homme. Tu peux me dire, j'aime pas Johan Pelé, c'est et t'as le droit. T'aimes pas Fabry, t'as le droit. T'aimes pas Escalès, t'as le droit. Vraiment. C'est sympa. Hein. Mais un mec qui a fait une saison de Ligue 2, pour moi, c'est pas un gardien d'OM Champions Project. Tu vois, évidemment. Mais là, est-ce que tu es dans cette. Enfin, bon, après, c'est bon, pas c'est la question. On est aussi est-ce sur que, l'importance est-ce que d'un gardien. N'a pas eu la chance qu'a Fabry. Enfin, l'inverse, pardon. Est-ce que l'OM va pouvoir prendre ce risque, tu vois, de mettre. Ah non, à l'heure actuelle, non. Voilà. Mais c'est pour ça que même recruter Lafont, c'est là aussi où je dis. Ah oui, recruter Lafont, je trouve c'est ça. C'est pas assez UP. Voilà, à ce moment-là, mais Fabry. Parce que de toute façon, quand t'es jeune. Je suis pas sûr. Dans Champion Project, il y a Project quand même. Et ça se fait pas en un an. Et moi, je pense que comme on a pris Mandanda à un moment donné, comme on l'a fait sur Barthez, Lafont, et c'est le. Alors.
hormis bien sûr Fabrice, je sais pas le problème qu'il peut y avoir avec nos gardiens qu'on a déjà, hein. Mais en tout cas quand on parle de Lafond, je pense au contraire que c'est l'idéal, avoir un gardien comme Pelé qui est encore là et qui fait finalement une saison très, très, très honorable. Je pense que c'est le moment ou jamais d'inclure un joueur comme ça, sachant qu'on n'est pas en Ligue des Champions encore l'année prochaine. Je veux dire, c'est un joueur qui a déjà lui aussi pas mal de matchs de Ligue 1 à son actif, qu'il a eu sûrement un coup de chance au moment où il le fallait, hein. Mais il n'empêche que le voir intégrer l'OM l'année prochaine, je pense que c'est le moment de construire avec un jeune gardien comme ça, et pas des Casillas, alors surtout pas moi des Casillas, des gardiens comme ça. Dans un an ou deux, il va falloir encore changer de toute manière. Ça se tient. Voilà pour l'avis de Babou. Aubin, qui nous pose cette question sur Facebook. La priorité de l'OM en défense centrale n'est-elle pas de prolonger le fameux Boubacar Camara, qui fait tant parler de lui, qui est sûrement supérieur à tous ses concurrents. Alors là, bon, potentiellement en tout cas, où il est déjà supérieur. Mais toi, je sais que tu n'es pas loin de le penser. Mais bon. Oh, pour moi, il est supérieur déjà à ses concurrents. Vu la concurrence actuelle. C'est déjà un meilleur défenseur central que Rolando, Rodfani. Vu la concurrence actuelle de l'Olympique de Marseille, je pense que oui. Et même si ce n'est pas vraiment le cas, le potentiel est tel que, comme il n'y a pas vraiment une différence, comme de toute façon, tu as une défense qui te coûte des buts, autant mettre un mec qui va peut-être te coûter un but, mais qui derrière va progresser et qui va prendre de la valeur, alors que ce n'est pas le cas pour les autres cités. Maintenant, là, on est dans une période très compliquée pour Camara, avec côté négociation, côté... Donc tu entends tout et son contraire du jour au lendemain. Faut prendre, c'est dur, mais il faut prendre un peu de distance avec ça. Et il faut se rappeler... que les positions peuvent encore changer. Là, la tendance est clairement à un départ et clairement au fait que le joueur ne va pas va peut-être prendre la route de l'Angleterre, de Manchester City, qui lui fait une belle proposition. Mais ça peut finir en ré-kick, ça. Ça peut finir en ré-kick. Ça peut finir à Manchester, faire deux matchs en trois ans. Ça peut finir en Alou Diarra, qui avait été recruté par Liverpool, puis prêté au Havre, puis prêté à Bastia, puis prêté à Lens, et puis qui après avait été acheté par Lens. Enfin, tu as beaucoup d'exemples. Moi, je pense qu'il faut prendre le meilleur parallèle qu'il y a à avoir. C'est, souvenez-vous du cas Adrien Rabiot, qui était au clash avec le PSG. Il s'était fini, il crachait sur le club, il avait fait arrêter le bus pour descendre du bus et partir avec sa mère en voiture. Enfin, il y avait une histoire. Son agent était sa maman. Voilà, c'est toujours sa maman. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je prends ce parallèle-là. Après, sa maman, là, elle a bien reboosté. Hein. Ben, au niveau du voilà, jeu. Donc on aura compris en replay pour ceux qui veulent. Et donc là, pour Camara, c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans cette situation un peu comme Rabiot, mais ça se trouve, dans deux semaines, il va signer, et puis on va tous être là, Camara, ça a été l'OM dans le cœur, et compagnie. Après, tous les mecs qui ont des cheveux comme ça, j'ai l'impression que c'est des rebelles, moi. De toute manière, si ce garçon joue en équipe professionnelle, il faudra quand même lui adjoindre à côté de lui quelqu'un qui puisse aussi le guider. Je disais, c'est pas très vieux, hier ou avant qu'il faudrait quand même recruter des joueurs avec une certaine mentalité, des gagneurs. J'ai dit des aboyeurs, c'est pas des aboyeurs, mais c'est des gens qui sont là pour parler aux joueurs. On n'a rien inventé. Quand tu as 20 ans, 19 ans, tu arrives sur le terrain. Moi, le premier, et puis comme d'autres, nous, on l'a fait avec Skoblar et Albert Raymond, comme avec Courbis, comme avec tout. On a fait, on les a aidés. Mais si personne les aide et qu'on leur tape dessus, ils n'ont pas la science infuse. Le petit camarade va se retrouver à première division, fais-le jouer. Faut des mecs qui gueulent, tu vois. Faut recruter Gilles Chauny, Bastia. Une question, Arnaud, avant de. Bon, on va constater, voilà, c'est vainqueur quand même qui a remporté le sondage. Bon, on n'est pas vraiment surpris parce que vainqueur, figurez-vous, je crois, est en tête ou juste deuxième au classement des notes cette saison, alors que Gomis est bien derrière, comme tous les attaquants de l'OM d'ailleurs. C'est toujours pareil. Il faudra prendre deux attaquants. Dans le micro, la prochaine fois, parce qu'on t'a pas entendu. C'est très possible. On est obligé de prendre dans deux attaquants. Préfères, ouais. Donc, on va déjà s'orienter vers Germain et puis en trouver. Oui, mais un si autre. Tu prends pas vainqueur, faudra prendre deux numéros 6. Et Bounassar, j'en fais quoi de Bounassar? De qui? Je reste sur Camara juste avec Arnaud parce que je me posais la question la dernière fois, je me faisais la réflexion. Je me disais pourquoi il prolongerait pas et il ferait pas un an à Consola? Est-ce que ça vous intéresserait, vous, un défenseur de ce potentiel? Il me semble que vous en avez parlé sur un des derniers talks. Les joueurs de l'OM sont un peu réfractaires à l'idée de venir à Consola. On est dans des conditions très précaires qui changent énormément du quotidien de l'Olympique de Marseille. Mmh. On est dans des conditions de PHB, PHA. Une condition amateur, clairement. Très amateur.
très très amateur. Et donc du coup, les joueurs qui sont dans une telle dynamique sont très réfractaires à l'idée de venir. Alors certes, il y a le niveau et l'intensité des matchs du National qui est intéressante et qui vaut pour moi à l'heure actuelle la Ligue 2, puisqu'on le voit avec Amiens et Strasbourg. Mais je pense que dans les conditions de travail quotidiennes, ça ne sera pas bénéfique. Pour vous non plus ? Ah, pour nous, oui. Pour nous, bien sûr. Mais pour une évolution et pour un joueur de ce niveau qui, à l'heure actuelle, peut espérer jouer en défense centrale en Ligue 1, je pense qu'il a mieux à faire. Okay. Faut-il que le joueur veuille y aller aussi. Voilà, c'est ça. C'est ce nous, on a eu le refus de Tuloma et d'Andonian. Par contre, moi, je pense très que pour les deux, d'ailleurs. Voilà, ouais. Mais justement, sur le coup, je pense que c'est une mauvaise inspiration. Enfin, il n'y a pas de mauvaise inspiration, mais le choix aurait été payant parce que ce n'est pas des joueurs dont on parle à l'heure actuelle en Ligue 1. Ouais. Par contre, Camara, ça n'a rien à voir, quoi. Merci, messieurs. Oui, Romain, sur le mot de la fin, hein, vraiment, on a dépassé. Sur ce dossier, je le répète, on parle beaucoup, on dit « Ouais, si c'est un étranger, il va faire comme Boutoba. » Alors, je ne tiens pas, je ne connais pas l'ami Boutoba, j'ai pas d'intérêt particulier, mais c'est juste, ça me dérange. Attendez quand même, c'est juste un conseil pour vous, attendez quand même avant de cracher sur Boutoba et de flamber un peu et de le considérer comme mauvais, parce que il est juste, à Séville, il a fait signer un contrat de 3 ans, c'est un cursus, ils l'ont pris pour être avec les jeunes. Alors, même si là, il ne joue pas avec l'équipe B, qui est en deuxième division espagnole, Attendez qu'il soit en Roumanie ou en Bulgarie pour vous commencer à vous moquer de lui, parce que si ça se trouve, dans un an, deux ans, trois ans, et il sera encore dans les temps, il va commencer un peu à émerger et on va devoir ressortir, je vais devoir aller chercher vos tweets et vous allez rester bête. Voilà. Merci pour cette analyse qui se termine cette par mise en garde. Merci. Merci beaucoup Romain. Merci Bernard également d'avoir été avec nous. The legend of the central defense of the Olympic de Marseille. Of the Roland. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Moi non plus. Babou, merci comme toujours, l'habitué du jeudi. On se retrouve jeudi prochain, Babou, je l'espère en tout cas. Arnaud, merci et puis bonne fin de saison. Merci beaucoup. Qui sait, pourquoi pas. Rêvons, mais dans un coin caché de notre esprit, de voir Consola, pourquoi pas, en Ligue 2, soyons fous. Saluons ton coiffeur, Romain. Tu nous avais vendu une coiffure qui allait tomber au bout de 20 minutes. Ah, écoute, une heure plus tard, elle est toujours là. C'est la magie de l'eau. On ne le dira jamais assez. Bon, on embrasse bien évidemment tous ceux qui nous ont suivis et également. Créneau aussi. Et ceux qui ont fait l'eau. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi, 18h, en direct sur le Fosséen. Salut.